Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. La Russie vient de tomber, les armes en main. Poutine vient de tomber. Moi, je parle de Poutine du Cameroun. Hein. Moi, je parle de la Russie du Cameroun également. Pas la Russie que vous connaissez là. Donc, il y a un certain King qui se donnait le nom de Poutine parce que lui, il estimait qu'il était intouchable. Qu'il était. Donc, personne ne le pouvait. Mais sauf que cette fois-ci, son petit, on rappelle que le gars était d'abord, Pifo, que vous voyez là, était d'abord juste danseur. Quand Malors était déjà musicien, c'était son danseur. Mais sauf qu'on dit souvent, tu nourris le chien, un jour il te mord. Voilà donc que c'est Pifo qui vient aujourd'hui renverser le king. Que donne-moi désormais, vous le voyez avec déjà l'âme en main, c'est moi, appelez-moi désormais Poutine. Moi, je l'appelle également Poutine. Pifo est désormais notre Poutine. Oui, Pifo a réussi à toucher votre king là où il ne fallait pas. Je vous assure que c'est très chaud, les gars. Sauf que Poutine, le Poutine sortant, lui revient aussi à son tour. Il dit, il parle avec son anus qu'on a ouvert en prison ou bien avec sa bouche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'autres sont venus dire aussi en commentaire que mieux encore être marié et que ma femme n'accouche pas que d'être élève du lycée bilingue. Jusqu'ici, je ne sais pas ce que ça signifie. Je vois d'autres venir babader, qu'une personne ne peut toucher le king, personne ne peut toucher Malos. Mon ami, depuis ce matin, vous ne constatez pas que Malos pleure. Il ferme là les portes, franchement, dites-moi où j'ai parlé mal de la femme de Jovi. Expliquez-moi-même, je veux. Ça, ce sont ce qu'on appelle les pleurs. Et on ne pleure pas. C'est strictement interdit de pleurer. On ne pleure pas. Oui! Puis il faut encore refaire une autre pause. Ça, c'est ce qu'il a donc coupé la tête une fois de malence avec. Oh, parce que le malheur, un peu commencé à s'agiter que non, toutes mes publications que je fais depuis, c'était pas dans l'intention de provoquer les gens, c'était pour sensibiliser nos jeunes sœurs, de ne pas se laisser aller, de ne pas se fier au luxe, aux filles, aux femmes, aux filles qui viennent leur vendre les rêves sur les réseaux sociaux, patati patata. Obi son pifo est revenu, le tout s'est dit. Correction! Stop, monsieur! Au Billy là-bas chez toi où tu dis au blabouavement. Tous les soirs, les filles des gens, les enfants des gens, dansent sans caleçon, dansent niquette. Toi, tu viens nous dire que tu donnes quel conseil à quelle fille, aux filles de qui? Commence d'abord à sensibiliser, à éduquer celles qui dansent chez toi nu tous les jours là. On appelle ça les balles. Je vous ai dit que le toussi, c'est le vrai tout. Poutine est tombé. Man! C'est mauvais. Facebook brûle. Le meilleur pays au monde, c'est le 237. C'est le 237, les amis. Il n'y a pas de chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Il y a les dossiers. Pas n'importe quel dossier, parce que le dossier, si, ça risque de finir seulement au commissariat. Oui. Sauf que quand les éléphants bagarrent comme ça, les arbres, nous les arbres, nous on paye seulement le prix. Parce que oh, les pleurs par-ci, les pleurs par-là, chacun vient bavarder, chacun vient dire sa part. C'est mauvais. Pardon, il faut quelqu'un qui va aller seulement consoler Malors, le Tutsi, que qu'elle a renversé. Tout ce qu'il fait depuis le matin, c'est ce qu'on appelle le petit boucan dans zéro. Le gars t'a fini, le gars t'a mis KO. Que commence d'abord. Il revient encore, il va encore plus loin. Il dit. Tes musiques parlent de quoi? Ça ne détruit pas la jeunesse. Ta musique même détruit la jeunesse. Toi, tu viens nous dire que tu sensibilises quel jeune, quelle fille, tu sensibilises qui? Tu éduques qui? Alors que tes mêmes filles que tu viens sur Facebook dire que tu les éduques, tu les sensibilises, danse dans ton snap chaque jour, naked. J'ai même lu dans les commentaires qu'il y a même les petites de 12 ans, je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui est important. Tes clips, c'est que les filles avaient des larges fesses avec les strings. Tu dis que tu sensibilises au quoi? Commence d'abord par là. Commence par nous présenter des clips dignes pour une bonne jeunesse. Désormais, Pifo le Poutine.
L'histoire que vous avez dit que vous allez exposer vos vies sur Facebook, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça. C'est comme ça que ça commence. Ce n'est pas facile. Hein. Ne blaguez pas avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme vous venez vous exposer vos vies. Voilà donc ce qu'on appelle les retombées. Aujourd'hui, tu affiches déjà le visage. Voilà, il y a même le visage de ton fils. Quand on dit qu'il a, ou c'est d'autres disent 14 ans, d'autres disent 17 ans, d'autres disent 16 ans. Chacun dit sa part. Donc, ce qu'on retient quand même, c'est que le well a peace. On attend que Pifo nous montre aussi sa part. Voilà. Et tu continues encore à traiter Pifo de Nep. Nepso. Parce que ton poste où tu dis robot, quoi, machin, tout ça là. Tu confies. Donc, entre vous là. Pour ceux qui viennent mettre les organes en disant que vraiment, Pifo n'aurait pas dû faire ce genre de poste, c'est vraiment un manque de respect. Ceux qui viennent dire non, franchement, mal, vous pensez que traiter aussi quelqu'un de Nepso, c'est facile. Sauf que la seule différence là-bas, c'est que pour Pifo, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais quand Pifo vient dire que Tago est avec toi plus de 10 ans, Samuna, tout le monde voit la réalité, non? Tout le monde voit la réalité, non? C'est ça. Et ceux qui disent que ah, c'est rien, ça ne fait, ça ne peut même pas toucher. Mais vous avez insulté un jour quelqu'un avec son handicap. Vous avez vu quelqu'un qui a un pied demi en route. L'insulter que, oh, boiteux, un pied demi. Vous avez essayé un peu un jour, vous voyez un peu comment ça fait mal. Ça fait mal juste. Donc, tout ce que vous venez dire que le gars actuellement, si, je ne suis pas sûr qu'il le boit vraiment. Il est à la maison, couché au salon. Il se lève un peu, il prend un peu d'eau, il calme la tension, il se couche. Il ne faudrait pas, comme tu te moquais de celle-là, que, ou elle aussi a chu, ou c'est au jamon que la tête n'aime là. Il ne faut pas que demain on nous dise que toi aussi tu es aux urgences déjà là-bas, à l'hôpital général, AVC. Calmez-vous, les enfants, calmez-vous. Ce n'est pas la guerre, calmez-vous. En dedans, créez-nous les buzz. Nous avons envie de ça. Chauffez la toile pendant que chacun gère son mal. On parle nous seulement, non? Hein? C'est au général Franco. Voilà, je vais laisser un lien en commentaire. En description, là, je laisse un lien. C'est pour un groupe WhatsApp. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé les images des migrants, là. J'ai commencé à envoyer, ça m'a dépassé. Vous êtes plus de 400 personnes. Non, je vais mettre, vous intégrer le groupe. J'envoie, dès que vous intégrez le groupe. Deux jours après, j'envoie les vidéos, tout le monde va recevoir automatiquement. Vous ne pouvez pas envoyer chaque personne. Je vais laisser dans le lien en description, vous cliquez juste dessus et vous intégrez le groupe pour recevoir les images. C'était le général Franco. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.